Beauties, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Farida B que j'ai pu tester grâce à Meriem de Neolia Concept Store. Donc j'ai rencontré Meriem début décembre après un échange de mails dans lequel elle m'invitait à venir en boutique pour découvrir la marque Farida B. J'ai été super contente qu'elle me contacte et bien sûr j'ai sauté sur l'occasion pour tester les produits Farida B. Parce que si vous ne le connaissez pas, Farida B ce sont des produits spéciaux pour les cheveux bouclés, ondulés, crépus, frisés. Après avoir déjà vu Noémie de la chaîne Noémie Curly Girl s'en servir, j'avais eu très envie de le tester, mais c'était pas vraiment trouvable à La Réunion. Et depuis quelques mois en fait, Farida B s'est installée à La Réunion via Neolia Concept Store. Lors de mon rendez-vous avec Meriem, on a déterminé quelle était la routine qu'il me fallait en fonction des besoins de mes cheveux, mais en fonction aussi du résultat que je souhaitais obtenir. Alors, je vais vous présenter tout de suite la routine que j'avais à faire. Donc cette routine, je devais la faire pendant 3 semaines. Donc je vais vous l'expliquer semaine après semaine. Donc déjà, voilà, j'ai eu mes produits dans ce joli packaging. Et en plus des produits qu'elle m'a donné, j'ai eu une anti-sèche. Parce que la routine est quand même très complète et même si j'ai une bonne mémoire, un peu d'aide, ça fait pas de mal. La routine se déroulait sur 3 semaines et elle a commencé par la pose d'un masque. J'ai dû mélanger 3 cuillères à soupe de masque revitalisant de nuit. Plus 5 pressions de nectar d'huile végétale. Donc ça, je l'ai appliqué sur mes pointes, mes longueurs et mes racines. Et ensuite, je l'ai couvert avec un film étirable. J'ai laissé poser toute la nuit et j'étais super glamour avec mon petit foulard léopard. Le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai émulsionné, j'ai rincé et ensuite j'ai appliqué le shampoing. Donc le shampoing restructurant que j'ai fait mousser une première fois, que j'ai rincé et que j'ai ensuite refait mousser et laissé poser 2 minutes cette fois-ci. Ensuite, j'ai bien rincé et je suis passée au masque soin restructurant de jour. J'ai pris une bonne noix de produit que j'ai étalée sur mes cheveux essorés et j'ai laissé poser 15 minutes. Alors j'ai laissé poser 15 minutes avec un film sur la tête, mais j'ai aussi testé la serviette chaude humide et honnêtement je préfère laisser poser avec le film plastique plutôt que la serviette chaude. Mais les deux sont faisables. Ensuite j'ai émulsionné et j'ai rincé. Je suis ensuite passée au coiffage. Donc j'ai pris une pompe de nectar d'huile végétale que j'ai répartie sur mes longueurs et pointes. Ensuite j'ai peigné mes cheveux et j'ai utilisé le baume lait repulpeur de boucle. Le baume lait repulpeur de boucle ne se rince pas. Et voilà, la deuxième semaine c'était exactement la même chose. Et la troisième semaine c'était exactement la même routine sauf que le shampoing restructurant a été remplacé par le shampoing repulpeur de boucle. Dans la semaine, si je sentais que mes cheveux étaient un petit peu secs, j'utilisais ce produit-ci. Donc c'est le baume nourrissant végétal et j'en mettais 3 petits grains de riz dans la paume de la main. Je faisais chauffer et je répartissais sur les boucles. Ça permet de bien nourrir le cheveu et ce qui est génial, c'est qu'il y a un filtre UV dedans. À La Réunion, c'est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de soleil, il fait pas mal chaud et ça protège bien les cheveux. J'ai adoré utiliser ces produits, j'ai adoré faire cette routine, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris aussi bien soin de mes cheveux. Et là, j'ai retrouvé le plaisir de faire une routine un peu plus longue, prendre le temps de prendre soin de ses cheveux. En plus, ça ne se fait qu'une fois par semaine. Sous les conseils de Meriem, elle m'a expliqué qu'il ne fallait faire qu'un shampoing par semaine. Et si on ressentait le besoin de se laver les cheveux, de faire un masque, enfin de mouiller ses cheveux, de faire un masque et de rincer. Voilà, juste pour nettoyer le cheveu sans l'agresser. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de se laver les cheveux autant de temps parce que le sébum, en fait... autant de fois plutôt, parce que le sébum protège le cheveu et ce qui fait que les cheveux s'abîment de plus en plus, c'est qu'on retire tout le sébum avec le shampoing. Donc quelque chose de plus doux juste avec un masque permet de quand même nettoyer le cheveu sans pour autant enlever tout le sébum nécessaire. Et j'étais plutôt sceptique vraiment parce que j'ai l'habitude de me faire 2 shampoings par semaine, pas plus non plus. Mais ça me gênait l'idée de faire qu'un seul shampoing, qu'une seule routine par semaine. Et au final, mes cheveux n'ont pas régressé plus vite que ça. Il n'y a que la dernière semaine où il faisait vraiment très chaud et j'ai ressenti le besoin de me laver, enfin de me rincer les cheveux avec un masque.
histoire de voilà, leur donner un petit coup de boost. Mais sinon, les deux premières semaines, j'ai absolument pas eu besoin de faire ça. J'aime beaucoup les odeurs de cette gamme, que ce soit la gamme Hydra Air Force ou la gamme Hydra Freeze, sauf celle du shampoing. Voilà, la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit ouh, je suis pas fan de l'odeur, mais elle ne reste pas dans les cheveux, donc c'est pas plus dommageable que ça. Mais pour moi, ça sent quand même moins bon que tout le reste. J'ai aussi eu un soin colorant capillaire Bonne Mine, donc celui-là c'est le caramel miel. C'est un soin recolorant qui va repigmenter vos cheveux pour leur redonner de l'éclat, un petit coup de boost. Alors moi je l'aime beaucoup, même s'il n'est pas vraiment de la couleur rousse que j'ai fait à la base, ça redonne quand même un coup d'éclat et un coup de boost à mes cheveux au niveau de la couleur. C'est vraiment un produit qui sent bon, qui agit vite et j'ai besoin d'en faire qu'une seule fois tous les 15 jours. Alors après cette routine, j'ai vraiment senti une différence au niveau de mes cheveux. Alors oui, là je les ai réattachés parce qu'il fait trop chaud, je suis désolée, je veux pas. J'ai beaucoup trop chaud donc je préfère les réattacher. Mais j'ai vraiment senti une différence. Quand j'ai fait la gamme juste Hydra Air Force, j'avais des boucles un peu plus loose, mais mes cheveux étaient quand même en meilleure santé. Et quand je suis passée au shampoing repulpeur de boucles, là mes boucles elles ont... Waouh, elles étaient bien rebondies. Alors j'ai plus les cheveux ondulés que bouclés, ce qui fait que des fois mes boucles, elles me font prout. Voilà, elles ne veulent pas bien se former. Mais avec le lait repulpeur de boucles, j'arrive toujours à avoir un résultat intéressant. D'ailleurs je vous remettrai une photo du dernier make-up que j'ai fait. Là j'avais les cheveux, selon mes critères, qui étaient parfaits grâce au produit Farid AB. Donc comme vous avez dû le comprendre, j'ai adoré tester ces produits, j'adore les résultats que j'ai eus. D'ailleurs, je m'étais dit, quand j'ai fini de tester les produits, je reviendrai à mon ancienne routine et je ne suis pas revenue à mon ancienne routine. Maintenant que la routine complète est finie, ce que je fais, c'est que une fois par mois, je laisse poser le masque plus le nectar, pareil, toute une nuit, le matin, je rince, shampoing, masque, coiffage. Et sinon, une fois tous les 15 jours, c'est shampoing, repulpeur, masque et baume. Voilà. Et quand j'en reçois le besoin, le nectar et le baume nourrissant végétal. Je suis vraiment contente que Myriam m'ait contactée pour me proposer ce partenariat, pour me faire découvrir les produits Farid AB. J'en suis vraiment contente. C'est pas parce que j'ai fait un partenariat que mon avis va être tronqué, au contraire. Je suis même plus exigeante avec moi-même pour vous fournir une vidéo de qualité. D'ailleurs c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'étais absolument pas satisfaite de ce que j'avais fait la première fois. Donc j'ai préféré retourner plutôt que de vous donner quelque chose de bâclé. Et voilà, j'ai eu la chance de tester ces produits, c'est grâce à vous. Vous qui me suivez régulièrement. Alors en ce moment c'est moins régulier, mais bon j'ai beaucoup de boulot, quelques soucis, donc voilà, hein, on va pas s'étaler là-dessus. Avec Myriam, on a convenu de vous offrir des promotions. Alors, ça ne se passe pas sous ma vidéo, mais ça se passe sur Facebook. Donc je vous laisse aller voir pour que vous puissiez profiter de ces offres si l'envie vous dit, si vous avez vraiment envie de tester ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.